Salut à tous et à toutes, ici Mister Wouh! Aujourd'hui, nous jouons à un jeu de Wouh coquin. Non, en fait, on joue à Spyro un peu, c'est un jeu de détente. Donc, oui, je suis déjà loin hein, dans le jeu. J'ai déjà avancé pas mal. Ça, c'est sûr et certain. Le but, c'est pas de faire un display, hein, c'est juste de la détendre. De la détente, voilà, de la détente. Alors, normalement, vous m'entendez correctement. Hein. J'ai vérifié. Le son ne gêne pas trop. On va quand même diminuer un peu pour avoir quand même, pour qu'on entende assez bien ce que je dis. Allez, 6%. Voilà, comme ça on est sûr de bien entendre, non? Voilà, comme ça vous m'entendez bien et il n'y a pas de souci. Mais il y a quand même le son qui est là, mais c'est juste qu'il est diminué par rapport à moi pour éviter d'avoir des soucis. Normalement je voulais le laisser comme ça, mais bon, pour être sûr qu'on entende quand même ce que je dise, c'est mieux quand même de le diminuer. La musique est là, certes, on l'entend. Voilà, on l'entend, elle est bien présente, mais c'est juste qu'elle a diminué de 5%. Enfin, du coup, 50% plutôt. Donc, je suis content de vous retrouver. Hein. C'est pas un let's play commenté, comme je l'ai dit, mais c'est quand même sympa. C'est du fun, quoi, c'est rien que du fun. Donc Spyro, bah, j'ai déjà terminé la première version. Vous allez me dire quelle version. Le premier épisode, je l'ai terminé. Voilà, comme ça vous le savez. Aïe. Salut Spyro, tu m'as l'air d'être assez agile. Je te propose une épreuve. On va voir si tu réussis la première étape. Appuie sur sauter et maintiens appuyé pour rester en l'air. C'est pas mal. Pour le prochain saut, tu vas essayer de planer. Appuie sur sauter, puis appuie une deuxième fois au sommet de ton saut pour planer le plus loin possible. Bien joué! Essaye maintenant de battre des ailes. Appuie sur sauter, puis recommence pour planer. Quand tu arrives à la fin de ton vol, appuie sur action pour battre des ailes. Cela augmentera la hauteur et la distance du saut. Alors non, ça n'augmente pas la hauteur comme tu racontes Coco. Ça ne fait qu'aider peut-être éventuellement un peu, mais ça n'augmente aucunement la hauteur en fait, parce que le seul truc que ça aide, c'est que ça ralentit le saut. Ouais bah, ou alors j'ai mal compris. J'ai un peu de mal. Le problème, c'est que dans tous les jeux, je peux pas forcément diminuer, donc c'est un peu chiant. Pour battre des ailes, appuie sur action pendant que tu planes. Attends. Allez. Bah non, ça fait rien. Bizarre, bizarre, bizarre. Ça ne marche pas. Ça, c'est un peu ballot. J'arrête pas de me faire mal. Vous avez remarqué que j'ai diminué tout sauf le son des musiques. La musique, c'est le seul truc que j'ai diminué. Parce pour que c'est constant. Appuie sur action pendant que tu planes.
attends d'être près de ta cible. Ah, voilà pourquoi je me trompe. Ah ben non. Parce que quand il dit appuie sur l'action, bah en fait ça stoppe le. Pour battre des ailes, appuie sur action pendant que tu planes. Attends d'être près de ta cible pour le faire. Oh, et n'oublie pas de continuer à avancer quand tu bats des ailes. Il a bugué. Non, c'est pas ça. Oh bah ça marche pas sa technique là, elle est un peu chiante. J'appuie sur le bouton qui dit hein, mais ça marche pas. On a un merde les gens. Ah si maintenant ça marche. Pour battre des ailes, appuie sur action pendant que tu... Donc en bref c'est juste. C'est juste foireux quoi. Très bien. Maintenant le plus difficile. Tu vas devoir tout donner. Commence par marcher, puis saute, plane et bat des ailes avant d'atteindre le bord de la plateforme. N'oublie pas de continuer à avancer quand tu bats des ailes. Oula. Waouh, tu es un véritable athlète. Si je n'avais pas perdu mes tennis, je ferais la course avec toi. En attendant, voici un orbe pour ta collection. Je m'autorise une petite pause. Il faut que je me prépare pour la prochaine course sur le circuit marin. Je m'autorise une... Voilà. Désolé, Spyro. J'aimerais t'apprendre à nager sous l'eau. Mais j'aimerais encore plus m'emparer de ton trésor. Désolé, Spyro. Sparks, la petite libellule qui te suit partout indique ton état de santé, Spyro. Plus il brille... Je sais. Saucisse grillée pour tous. En canine... Bah, je suis coincé, du coup. Je sais pas où il faut aller. Alors, il y a ce monde-là, peut-être. Attendez. Y a rien. C'est quoi ça? Hmm.
Nous ont chassés de nos temples et ont volé nos vivres. Offre-leur des saucisses grillées pour tous. Ouais, si tu veux que je te dise. Saucissonnez-les. Bande de ouf, coquin. Saucisses. Il fait des saucisses. Ah mais c'est nager. Bon après quand tu vois ce qu'ils font, tu poses la question s'ils n'ont pas un neurone en moins. J'ai un chien dans la gorge, j'ai beau racler autant de fois que je veux, ça ne veut pas me foutre la paix. C'est bon, je pense que c'est bon. Mais c'est chiant quoi, c'est casse-couille. Ah c'est pas mal, je pense qu'on a bien trouvé le... C'est sympa. Faut juste que j'oublie pas en fait de retirer en fait tout ça. Enfin, de remettre le son normalement quand je joue tout seul. Ces boucliers en métal rendent les ennemis invulnérables à tes flammes. Si tu maintiens charge enfoncée, tu peux les vaincre en leur fonçant dedans. D'accord, bon ben va voir un psy. Alors maintenant du coup je comme vous êtes au courant j'ai ah maintenant vous êtes pas ça y est j'ai ma manette Ori Ori Pad je l'ai payé 24 euros et du coup ben voilà ça coûte un petit prix mais elle fait vraiment ce que je veux et le truc qui est génial avec cette manette c'est que justement c'est terminé les Joy-Con Drift. Plus de soucis, c'est fluide comme tout. Et c'est très agréable. Du coup, j'ai envie de jouer qu'en mode docké maintenant.
Ah, quand je passe à mes Joy-Con et que je passe à cette manette, il y a un monde de différence de confort, de taré. Ça, c'est dingue, quoi. Il y a un confort ultra différent. Pourquoi il fait ça? Bah, sculpter si t'as folle envie de sculpter au lieu de te faire du mal. Et pourquoi t'es vert, hein? Explique-moi tout. Arrête ça. Ils ont des problèmes psychologiques, ces gens. Je m'étonne que du coup les personnages comme ça se gagnent facilement vu comment ils sont au niveau intelligent, c'est pas ouf. Tu peux faire tourner la caméra. Je sais. C'est ce que je fais depuis tantôt, moi je fais tout manuellement. Si je fais pas, bah, ça fait ça. Voilà. Vous allez me dire que c'est pas pratique. Hein. Bah oui, il y a une logique. C'est moi qui tourne moi-même la caméra, donc... Ah bah j'ai réussi paranormalement. Regarde, la danse de la pluie Oula a détruit cette idole comme on souffle une bougie. La carrière de danseuse dont je rêvais me tend enfin les bras. Prends cette orbe, il t'aidera dans tes voyages. J'ai juste quelques petits soucis mais ça va. Bon ben c'est bon, du coup on a réussi mais c'était galère. Ben, de retour à la maison du coup. On va se dire au revoir là. Désolé pour les petits soucis hein, mais ça c'est... Normalement je vais cutter tout ça hein, quand je mettrai sur YouTube. Je cutterai tous ces trucs là. Je vais voir si je peux pas le faire sur mon Aver Media mais... Le problème avec mon Aver Media c'est qu'il ne... y a pas de son en fait quand... dans le truc d'édition donc tu dois... C'est compliqué à ce moment-là. Donc il peut avoir des chances qu'à ce moment-là, je parle et je sois cuté d'un coup. Et ça, c'est un peu casse-couille. Bon, quoique, qu'est-ce qu'on s'en fout. Maintenant, si on n'entend pas un truc comme ça, on s'en fout. Vous le saurez et puis c'est tout. En tout cas, ici, vous le saurez si ça, dans les autres jours, j'en ai plus rien à foutre et que je préfère... Enfin, je n'ai rien. Pas vraiment dans le sens méchant, hein, mais ça veut dire que je me casse plus le cul. Ben, vous aurez des cutages, peut-être qu'ils vont couper en plein de paroles, mais on s'en fout, hein. Ce qui compte, c'est que le script minimum est là. Oh.
vous l'avez dit, saucisse grillée pour tous. J'avais raison, c'était sa vocation en termes de grillade. Yes. Bon ben, je pense que c'est on est pas mal. Oui. On fera la suite prochainement. Ouais, si vous voulez, on va payer le monsieur Tunas. Salut Spiro. Veux-tu apprendre à nager sous... Très bien. Quand tu sautes dans l'eau, mais tu peux te déplacer à la surface. Utilise charge pour plonger sous l'eau. Et quand tu es sous l'eau, appuie sur sauter pour nager. Et sur charge pour attaquer. Ben c'est bien. Ok, mais ça marche. On fera le reste plus une autre fois dans un prochain épisode. J'en prépare d'autres. Je vais déjà traiter celui-là. Donc je vous dis à bientôt. C'était Mister Wouh. Et portez-vous bien, bande de troutruffes. Soyez troutruffes de vous-même. Et désolé pour les petits inconvénients. Si au cas où j'ai pas cuté. Je vais essayer vraiment, je suis sincère, je vais essayer vraiment de couper le plus chiant, le plus long, pour m'inspirer la prouve, pour pas que ça soit casse-couille, parce que, en fait, je m'imagine à la place du spectateur, je me dis, ben ouais, mais c'est bien, mais il faut que le jeu avance, si c'est pour me voir tourner en rond plusieurs fois parce que je galère et tout ça, c'est pas intéressant du tout. Donc, du coup, je me mets à la place du spectateur. Je vous dis à bientôt, c'était Mister Wu, portez-vous bien, bande de tout coquinous.